de rampe en polyéthylène, hein, avec ce qu'on appelle goutteur intégré. On peut voir là le petit orifice qui est là. En réalité, c'est une pièce métallique avec un circuit de circulation de l'eau, circuit long, on dit. On peut voir un tout petit peu la trace ici. Donc ça, c'est une rampe à goutteur intégré. On appelle ça aussi gaine à goutteur intégré. Mais vous pouvez en avoir des tuyaux comme ça, en polyéthylène, sur lesquels on va venir avec un petit poinçon, pas celui-là, mais ça, on va faire un point, avec un poinçon, on va faire un petit trou et on va enfoncer ce goutteur qui n'est pas donc intégré, un goutteur en dérivation. Et donc... Et là, on voit ce qu'on appelle les fittings, c'est les petites pièces de connexion dans lesquelles on va venir tout simplement emboîter les rampes. On voit là, au petit bout, là. Donc, quand on veut faire la commande, on doit penser à toutes ces petites pièces de connexion. Et ça, ça vient s'emboîter dans celui-là. Et lui-même, qui est emboîté dans un... Le système est relativement simple, hein, on emboîte et puis c'est étanche. Et si on ne veut pas arroser avec ces rampes, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit bouchon. Tous ces petits bouchons, vous voyez le petit bouchon bleu qui est là, hein, on peut les acheter chez le fabricant. Et donc, au moment de faire le devis descriptif, il faut essayer de cerner la quantité dont on a besoin. Ici, les espaces sont courts dans un but pédagogique, mais dans la réalité, ça va être au moins 30 cm, sinon parfois chaque 2 mètres, chaque 3 mètres. Qu'est-ce qu'on voit? L'eau arrive là, elle sort par un canon, et va frapper ce déflecteur noir que l'on voit là. Et dans l'aspersion classique avec ce matériel, ce déflecteur, ce déflecteur-là est fixe. Mais dans celui-là, il va être tournant en même temps. Donc vous avez une fragmentation du jet d'eau qui va retomber sur le sol. Et donc, si ça démarre alors qu'il y a une sortie d'eau qui est orientée vers l'espace, le sillon X du sol, eh bien ça va rester dans ce sillon. Alors qu'avec la rotation, là, ça devient un peu le phénomène de, aléatoire qui fait que l'eau va être plus uniforme sur le sol. Et donc, plus tard, on a développé le wobbler qui permet encore l'oscillation, en plus donc du mouvement de rotation, l'oscillation de ce déflecteur. Toujours le déflecteur donc en fonctionnement. Nous avons essayé de mettre un peu plus de pression. Le mouvement de rotation est plus rapide, mais il n'est toujours pas très rapide. Hein. Donc tout dépend de la pression qui va s'exercer sur le déflecteur et qui va le faire tourner donc plus ou moins rapidement. Mais déjà vous pouvez voir hein, au niveau du sol que le fait que ça tourne de cette façon, eh bien vous avez un mouvement plus ou moins aléatoire hein, qui va aboutir à des profils plus uniformes dans le sol. Mais l'efficacité, disons l'uniformité n'est pas aussi élevée qu'avec le wobbler. Voilà. Ici nous avons une tête d'aspersion parmi les plus avancées actuellement en termes de technologie, c'est le wobbler. Et comme on le voit ici, nous avons juste attaché sur ce support d'une chaise, on voit l'eau arrive par là, hein. L'eau arrive par là, sort par ce petit canon qui est là, et au-dessus du canon, on a un déflecteur, ce qu'on appelle un déflecteur avec des sillons plus ou moins courbés, hein, dans lesquels l'eau va sortir. Alors dans l'aspersion classique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien avec ce genre de matériel, ce déflecteur est fixe, il ne tourne pas. Et donc les jets d'eau vont sortir par ces sillons-là. Mais avec ce qu'on appelle le rotator, on a introduit une nouvelle dimension, c'est que le déflecteur va tourner de manière uniforme comme ça. Et là, le profil d'humectation qu'on obtient sur le sol est plus uniforme. Et une dimension plus avec le déflecteur qui va faire des mouvements d'oscillation à gauche, à droite, ou bien d'avant en arrière. Alors cela fait que, bien entendu, quand il y a un pivotement dans ce sens, vous avez le jet d'eau hein, qui va retomber plus près de l'asperceur. Et quand il est au milieu, ça va le plus loin possible. Et là, quand il fléchit vers la gauche, l'eau retombe beaucoup plus près encore. Donc on obtient un profil d'humectation du sol qui est beaucoup plus uniforme que le matériel classique. Et ça, c'est appelé le wobbler, que l'on trouve aussi bien sur les pieds d'aspersion classiques hein, que sur là, les pivots. Nous voyons donc le rotator, le wobbler justement en fonctionnement. Et on constate non seulement le mouvement de rotation, mais le mouvement d'oscillation également hein, du déflecteur. On le voit là très bien, hein,
qui va aboutir donc, comme nous l'expliquions, à une meilleure uniformité du profil d'humectation du sol, ce sol-là qui est un gazon. Et ce phénomène donc a été utilisé ici, la rotation plus donc l'oscillation, pour faire évoluer ce matériel d'aspersion classique que l'on trouve sur le marché, c'est-à-dire les canons. Donc ça, c'est un des matériels les plus avancés actuellement en termes d'aspersion.